continuer, on va monter une poissonnerie. Hein? Je vois là-bas. Ah, mais je crois que j'en ai un moi aussi. C'est encore un petit, hein? Alors. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, on surfe sur les vagues. Choupi me dit, j'ai envie de manger des boulettes de poisson. Alors moi, j'ai fait des boulettes de poisson. Le Mai Mai, un peu refroidi quand même, parce que comme les copains, ils ont été malades 24-36 heures. J'espère qu'on va pas être malade non plus, on va voir ça. Allez, c'est parti. C'est parti, hop. J'en mangeais pas. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il y en ait quand même de deux qui mangent le poisson. Tu te sens comment? Je vais pas être malade de suite. J'essaye de filmer les poissons volants, c'est super dur. Et ils passent quand j'ai le caméscope, ils passent pas. Et quand j'ai pas le caméscope, ils passent. Ils se foutent de ma gueule. Waouh! Excellent! Mais si vous saviez, parce que quand le monsieur il n'arrive pas à dormir la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il me réveille. Moi j'ai la gentillesse d'accepter sur le bateau, et toi, pour m'en remercier, t'as pêché les dômes. Boum. Bon, les bananes, il se passe pas grand chose depuis plusieurs jours. Les voies sont vieilles, je prends du riz, je prends des pâtes. Oui, il y avait un piège. Yo. Oui, oui, nous utilisons Starlink, oui. Oui, vieux con, il faut vivre avec son temps. La Jacouille vient d'écrire un texte, parce qu'on a souvent des messages. Alors, il y a les échos qui nous disent avec Starlink, parce que ça pollue l'espace. Nous, ça fait des mois qu'on est sur l'eau, ça fait des mois qu'on n'a pas de pollution lumineuse. On n'a jamais vu un satellite Starlink. Ouais, non, avoir la connexion, oh merde, tu comprends? Moi, je suis un grand, un dur du cuir. Non. Moi, je vais pas prendre Starlink, je résiste jusqu'à temps qu'un jour je le prendrai parce que mes enfants me l'auront clamé plein de fois aussi. Hein? Oui, ça aussi, ça existe. La Jacouille a écrit un texte, elle va vous le dire tout à l'heure. Et je trouve qu'il est très bien écrit parce que c'est déjà d'une, c'est ma femme. Et de deux, et parce qu'elle écrit bien, et de trois, elle a écrit deux livres. Et ouais, bien fait pour toi. Et t'as pas toi. Tout ça pour vous dire qu'on a toujours Starlink. On a payé 110 euros de plus que d'habitude. Bah, ça fait cher parce que les gigas, on n'a pas dépensé 54 gigas comme ils disent. Et ouais, il y a un gros problème avec les gigas là. Sans les coller. Mais après, c'est cher et pas cher parce qu'on a une connexion en pleine mer. C'est beaucoup moins cher que l'Iridium. C'est juste, on n'aime pas la façon que c'est fait. Mais moi, je ne vais pas me faire arnaquer. Hein, parce que nous, on n'a pas Internet en mer pour regarder des films. On n'a pas Internet en mer pour s'amuser sur le web. On a Internet en mer pour prendre la météo, pour discuter avec notre fils. On regarde aucun film. On est déconnecté quand même de la vie de tous les jours, des informations. On a avec Internet ce qu'on avait avant avec l'Iridium, sauf qu'on a mille fois mieux que ce qu'avec l'Iridium. On vous fait le journal de bord en images. Pour vous donner un exemple, une carte SIM qu'on achète, en général, dans un pays, on a un forfait de 50 gigas qu'on paye. Sur les 50 gigas, je publie 4 vidéos. Nous, sur Terre, quoi, sur mer, au mouillage, on regarde des films. On dépense à peine 50 gigas. Et là, on n'a rien fait du tout. C'est sûr et certain qu'il y a un gros souci avec les gigas. Là. Ouais, parce que Elon, j'aime pas me faire arnaquer. Hein. J'ai porté plainte, ça va te coûter des millions de dollars. Je suis le porte-parole de tout le monde. Tu vas enlever ça tout de suite là et tu vas rembourser les gigas que tu nous as volés. Non, mais c'est vrai quoi. Faut passer sur merveille en plus. Ça, c'est dit. Et la mer est devenue belle. Mais ce soir, le pilote a décroché. Peut-être le vent il a changé d'un seul coup et ça a foutu la merde. Rien de grave. Non, un coup de frayeur quand même. On était en train de dormir tranquillement avec la Jacouille. Et c'est la première fois que le pilote décroche. Petite frayeur. Alors, la tête dans les moteurs, dans la timonerie. Ah non, je me suis dit, putain, il reste 600 000. Oh là, 600 000 à barrer. Je lui dis pas, la Jacouille, déjà avec le pilote, elle fait demi-tour. Alors je lui dis pas si elle barre. A priori, il y a eu une accalmie, il y a un grain là en fait. Le vent a dû tourner d'un seul coup. Mais il pleut pas. Les voiles sont en ciseaux. Mais il m'a semblé se pleuvoir. Ou alors, c'est comme si c'était en mode girouette. Je me suis dit, il y a un oiseau
qui s'est foutu sur la girouette et ça déconne. J'ai pas mal, je vais mal dormir, je crois, cette nuit-là. Il est quelle heure? 1h15. Ah putain, il y a un moment, j'ai dit, on baisse toutes les voiles et tout, là, faut que j'aille voir. Et vous imaginez, plus de safran, plus rien dans le Pacifique. Ah non, hein. Pas ça, je suis pire. Ah non, pas ça. Mathilde Schulte. C'est le cargo qui a récupéré le bateau qui naufragait, les 8 Danois à bord. Il fait route sur Papeete. Il avance à 18 nœuds. Oh. 8 de merde, les bananes. Nuit de merde. Des grains, du courant. Le pilote qui a décroché pour la première fois. Ça, c'est le coup de frayeur. Oh putain, ça y est, il va falloir qu'on barre. Je me dis, il est temps pour nous avec la jacouille. On a fini cette connerie-là, c'est d'avoir un deuxième pilote à bord. Voilà. Il arrive à un moment où sur les traversées comme ça, ben là, tu te dis bon, il te ferait 600 000, bon ben ça va quoi, je vais assurer, je vais barrer. Mais si t'as tout le Pacifique à faire, que ce soit en plein milieu, c'est la merde. On a eu un grain à 28 nœuds, ben, c'était vachement bien. On est monté à 7-8 nœuds et nous sommes arrivés dans 2 jours et demi. Ça n'a pas duré longtemps. Tous les matins, on se fait notre petit arro pour que je mette la raclée à Tchoupi. On a joué au backgammon. Tu as fabriqué les sacs, très important. Oui. Bientôt les 100 sacs. Oui. Il en reste, alors commandez. Moi, j'ai fait des vidéos. Farniente, on a réglé les voiles. Mmh. On a lu, on a fait du ham-ham. Si vous êtes ça, je vous l'aurai peut-être en vidéo du ham-ham. Vous en avez pas la tête. Vous en avez pas là. Non, mais oh, sale pervers. Tu raccroches de suite, cochon. Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée, là, ça ne m'intéresse pas. Putain, il y a la prise de riz qui a pété. Aïe, 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 aïe. Heureusement, je viens de voir, parce que derrière, il y a un beau grain qui arrive. Hey. Vous entendez? Toute la nuit, ça a sonné. Ça m'a fait chier. Bip, bip. Mais putain, pourquoi il faut pas une arme comme ça? Fait. Hé, hey, capitaine, coucou. Hé, hey, mon chéri, capitaine où? Faut se réveiller, il y a le vent qui a tourné. Bipou, hé, hey. Un petit bisou, je te ferai ton petit déjeuner. Petit brunch. Petit brunch. On a faim les bananes. Faut dire qu'on est réveillé un peu depuis 1h du matin. Les bananes. Les œufs, ils sont nickels. Hein. À moi. Le chariot vient de recasser. La deuxième platine a cassé cette fois. De toute façon, ça ne nous pète pas la gueule. Hein. Il n'y a plus que sur une platine, sur celle-là. Comment on pourrait faire? Ah, ça, c'est un truc qui va faire franchir. Hein. Absolument. Hein. Mais j'ai vu autant de coups de rappel dans la mâture. Hein. Dès que j'arrive, je monte en haut du mât quand même. Hein. Je vais voir. Vu comment ça a tordu le... J'ai pas trop confiance en cette garcette là, il y a une puissance, ça retient toute la baume. Je vais mettre un dynamo directement de la baume et je vais essayer de l'accrocher quelque part au cas où si ça vient à péter. Ici, un coup de dynamo. Et ça, je vais le reprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit peu de calme. Ah bah là je suis obligé de couper, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah bah ouais, ah bah forcément ouais. Le naufrage du Lulu, un monocoque de 51 pieds, a eu lieu dans une zone sous responsabilité péruvienne, à environ 3700 km de la Polynésie. Après l'appel de l'une des naufragées à sa famille au Danemark, plusieurs centres de coordination de sauvetage ont pu recouper leurs informations. Mais c'est le MRCC Pérou qui a coordonné les opérations. Et à 4 jours d'arrivée aux Marquises. Il faut rester prudent jusqu'à la fin, on est livré qu'à nous-mêmes. Vous pouvez faire votre quart de nuit comme vous voulez, hein. Faire toute la nuit complète, à être réveillé, la baleine. À moins d'avoir un coup de chance incroyable, jamais vous la verrez de nuit. Un conteneur ou un filet de pêche, s'il n'est pas éclairé, il y a peu de chances que vous les voyez. Voilà pourquoi nous, en Pacifique, ben, nos quarts de nuit, on les passe à dormir et ce sont les alarmes qui s'occupent de tout. C'est un peu la roulette russe. Ben, pourtant, il va falloir le faire. Ben oui, il va falloir le faire, on les a pêchés. Ah, oh, c'est la merde de pêcher des poissons à tomber la nuit. Quoi. Vous êtes douché, vous êtes bien, vous êtes à l'apéro et puis hop! Un maille à droite, un maille à gauche. Et en plus. Vous avez déjà remonté les cannes avant. Eh oui, mais justement, bah, moi j'étais bien, je n'ai pas remonté les cannes. On pêche des poissons pas très gros. Alors qu'il n'y a même pas 6 ans de ça, 8 ans en arrière. Hein. C'est les plus gros poissons qu'il y avait, c'était dans le Pacifique. Ça, c'est très inquiétant. Ouais, ils ont tous la même taille. Ah, mais tous, ouais.
Ça booste, 22 nœuds et le vent va augmenter. La jacouille me casse les couilles, il est temps d'arriver. Trop longtemps en mer, il est pas bon pour un coup. Ouais, on s'est disputé. On a pris deux riz parce que ça souffle 22 nœuds et ce soir ça a souvent soufflé 25, il y aura sûrement des rafales à 30. Et obligé de ne plus être fâché pour Mathieu. T'es pas sûrement pas là. Alors là, je veux dire, alors là, s'il y en a un qui s'excuse pas, c'est bien moi. Tête de con que je suis. Oh la jacouille, tant qu'on arrive, elle pète les plombs, elle nous fait une crise d'hystérie là, sur le, en plein océan quoi. Oui, j'aime pas quand il... Ah voilà, elle vient de dire oui. Devant, la mer formée, et qu'est-ce qu'elle fait la jacouille? Je continue à faire vos sacs. 12 nœuds devant, les sacs importés de Chine. Voilà ce qui se passe exactement sur Black Lion. Bon, ça booste en tout cas, et le vent va encore se lever. C'est pour ça, il faut que je les finisse. Et il va blanchir. Je ne mets pas les cannes à pêche aujourd'hui. Une autre chose à gérer, donc je gère Blacky, même si je gère plus seul. Le pilote tient bien. Il tient bon la route, il surfe bien sur les vagues. Regardez ces vagues énormes juste derrière moi là. Regardez, ça rend pas trop sur la GoPro à chaque fois, c'est dommage. Alors on a bien fait de réparer hier car ça a cassé. Ça retient maintenant plus que sur la Garcette. Autant je peux m'inquiéter donc 14 nœuds que là rafale 25, ça va monter encore. Je me fais pas de soucis, je sais qu'il adore ça. Félicitations. Je suis trop contente. Maintenant pour les vendre. T'as le bonjour du joueur du baby foot. T'as le bonjour du petit train aussi. Et aujourd'hui je croyais pas hein, parce que ça bougeait quand même. Hein. J'ai pris. Contrat réussi. C'est gros hein. On pourrait l'amener à Choupi. Tous les matins je sors et je fais toujours un petit tour de pont de Blacky. Voir si tout est ok. Je check le gréement, je check les haubans, je check. On est resté voilà en ciseaux toute la nuit. On termine avec deux riz. Roule l'aventure. J'ai dit à Jaco, regarde, on est rentré dans la zone cartographique. Il a mis quoi de la France? Ben non, on est dans le Pacifique. Alors c'est sûr que c'est un territoire français. Bah oui. Mais quand même. Pas ma question. Regardez, ça fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas de cartographie sur tout l'océan Pacifique, vous voyez? La cartographie s'arrête ici et elle reprend là. Et toute cette zone-là, elle est inerte. Personne ne sait ce qui s'y passe. Les monstres marins peut-être s'y promènent. Nous ne le savons point. Et là, depuis peu, nous re-rentrons dans la cartographie de Navionix. Et ça, ça va savoir! Ah, fameux mode girouette. Ça a tellement sonné pendant cette traversée que je me suis demandé si ça n'avait pas un problème d'anémomètre. Ben non, non, il n'y a pas de problème d'anémomètre. Au bout de 32 jours, il était temps que je m'y penche un peu. Il n'y a, voilà, y a aucune stabilité dans le vent cette année du Pacifique. Et je pense que ça vient aussi d'El Niño. Vous voyez, ça sonne depuis tout à l'heure. Et cette sonnerie que vous avez retentissante, on l'a eu des fois toute la nuit. On passe d'un seul coup sud-est et ce matin, on était bien nord-est. En général, il y a une alizée assez établie qui varie très très peu. Et pour vous dire, le cap Girouette, le vent est réglé sur 30 degrés, ce qui est quand même assez énorme, c'est 30 degrés. Et puis tout à l'heure, ça fait déjà 5-6 fois que ça sonne. Je range ma machine à coudre. S'il y a bien un truc qu'il faut acheter sur un bateau, c'est bien la Toyota. Alors celle-là, elle est vraiment. Le problème, c'est que vous la trouvez plus. Alors. Tout petit, minuscule, c'est un grain. Et pourtant, je regarde dehors, regardez la masse qu'il y a dehors. Je ne vais pas parler trop vite, mais les grains du Pacifique sont quand même moins violents. Dans les sons indiens, je verrais ça. J'aurais vite fait que j'aurais pris le troisième riz. On n'en peut plus. Là, on a envie de prendre un marteau et taper dessus. Tout le Pacifique nous en met rien. C'est un truc de dingue. Les voiles en ciseaux, le soleil couchant, des vagues assez grosses, jusqu'à 2,50 m, 3 m de vagues. Les vagues déferlent dans le soleil, c'est splendide. J'adore. Thank you.
c'était que cette merde, les bananes? C'est monté à 32? Ah, c'est ça, c'est monté à 32? 35, ça le dé. 35? Je t'ai fait surprendre. Plus jamais je dis que les grains de Pacifique sont moins forts que l'Atlantique. Non, non, plus jamais. Mais on assure avec Choupi, on arrive à descendre le riz nickel, hein. Ouais, ouais, mais on s'est pris un peu trop tard. Donc on a trois riz et trois tours dans le froc. On a vraiment pas beaucoup de toile. Purée de cacahuètes, ça réveille, je vous le dis, moi. Alors le grain de cette nuit, là j'ai mis la génératrice pour faire de l'eau parce qu'on a plus d'eau indétectable au radar. Mais quand même l'instinct. Oui. T'as vu? Je me suis levé vers minuit une heure, chose que je ne fais jamais. Je me suis levé, je me suis dit qu'il va se passer un truc. Je m'assois donc au poste de commande et je vois le vent 25, 26, 27, 30, 35. Et là je dis putain, ça y est, il se passe un truc encore. Hier je disais les grains du Pacifique sont moins forts. Je vais arrêter de dire ça parce que je suis superstitieux. Je sais pas pourquoi ça a soufflé pendant une heure plus de 35 nœuds. Pas de nuages. Et violemment quoi, c'est pas un 35 nœuds constant. Et ce matin c'est pas énorme, il y a 20 nœuds. La mer est formée, elle est mauvaise. Il y a bien 2 m 53 mètres de houle et je peux vous dire que c'est déjà énorme. Il prend son cap, notre petit lion courageux. Il reste 211 000 à parcourir. Moi j'ai réduit les voiles, c'est pas aux portes du paradis qu'on va aller en enfer. Là, je change les draps parce que c'était vraiment l'enfer. Ah ouais, la chanson de Renaud, et je crois que ça ne nous est jamais arrivé. Dans les draps mouillés. c'est la plaisance, c'est le pied. J'ai dormi dans des draps mouillés. Humide. Humide, ah ouais, ouais. On est obligé de changer les draps. On s'est dit, on va les garder jusqu'à l'arrivée, mais non, on n'en peut plus. Été musclé ce matin et cet arc-en-ciel s'est formé juste devant les traves de Black Lion. Il est en train de reculer. On prend ça comme un signe. Ah, je deviens perché moi aussi, ça y est là. 178 000 les bananes. La mission de Blackie, c'est d'arriver avant la nuit de demain, ce serait bien. La mer a été très 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 bien formée ce matin. Je pense qu'elle va se reformer parce que d'ailleurs il était prévu un truc, je vous montre. Nous on est ici, là il y a des masses comme ça nuageuses qui sont annoncées, dont une pour demain soir, mais demain soir j'espère qu'on sera arrivé. Notre Blackie il a assuré. Black Lion, vous savez, quand on a quitté l'océan Indien, on a dit que c'était un lionceau juste avant. Quand tu as traversé l'océan Indien, on a dit que c'était devenu un lion. Et là, ça sera après l'Atlantique, c'était le roi lion. Et là, ça sera le dieu lion. Il y en a pour qui un bateau, c'est juste un objet, c'est juste un véhicule. Mais nous, c'est notre maison, c'est notre cocon. Il prend soin de nous. C'est notre équipier. C'est tout. Quoi. C'est vraiment lui qui fait tout. C'est lui qui gère les vagues, qui ramasse. C'est intense, les bananes. Je pense que l'arrivée va être... Oh là là. Ouf. Il va falloir sortir les mouchoirs. On va faire une vidéo sur la dépression de la Jacouille. J'ai eu un coup de cagon, un coup de cafard, vous avez tous été adorables avec vos messages incroyables, sauf que la Jacouille. Mais je leur ai toujours dit que j'adore vraiment vos messages. Mais alors aujourd'hui, j'en ai pour la journée, il y en a 900 commentaires. À cause de moi, vous avez battu le record de commentaires, mais c'est tellement adorable, tellement gentil. Et heureusement, merci de l'avoir envoyé parce que ça remonte de Choupi. Ouais, c'est vous qui avez raison en fait. Je m'attache à 1% de con et ça c'est l'alarme de vent. Nous sommes à 24 heures d'arrivée les bananes. 24 heures. Voilà, c'est vous qui avez raison et en plus de ça, je viens de m'apercevoir qu'on est vraiment énormément suivi. Une grosse pensée à toutes les personnes qui sont chez elles, qui ne peuvent pas bouger, qui sont malades. Beaucoup de messages de personnes qui ne pourront plus voyager.
qui sont sur fauteuil roulant, qui ont un cancer, des maladies orphelines, et j'en passe encore. Et on a une très grosse pensée pour vous. On va continuer à vous faire voyager tant qu'on peut. J'ai emmerdé la jacouille pour vous faire rire tant que... un peu. Ça fait 27 ans que je l'emmerde. Moi aussi, je l'emmerde. Voilà, donc une très grosse pensée pour mais vous. Est-ce que je l'aime alors Réponds en commentaire là. Attends, Kevin ne va vraiment pas bien du tout, du tout, du tout. Il lui reste 24 heures à vivre pour toucher l'air de la terre des dieux également. Kevin, tu es un warrior. Tu n'as pas intérêt à mourir. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. Je suis sérieux quand je dis ça. Hein. Ok. Donc, Kevin, nous. Santé. Ils annonçaient beaucoup d'eau. Et je trouve ça bizarre, il n'y a plus que 10-12 nœuds devant. Et devant, on avait un beau coucher de soleil. Et derrière, voilà ce qui arrive. Donc, on a assez pris le plus gros grain de la traversée hier avec 35 nœuds. Cette nuit. C'est mieux de nuit, hein. Et du coup, j'avais deux riz. Et j'ai dit à ma jacouille, j'y viens, on prend le troisième riz. Ouais, on n'est pas on commence à être fatigué et je pense que ça va souffler. Je vois la pluie derrière, bébé. Alors, hier aussi, pareil, ça c'est chiant les traceurs là. Quand je me suis levé, là, ça a été brouillé de tous les côtés parce que la pluie. On est portant, la pluie est rentrée, ça a tapé sur l'écran tactile. Alors c'est un gros problème, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Hein. 26 mai, il est 18h. Le vent souffle à 22 nœuds. Nous sommes à 6 nœuds 1. Il y a un grain qui se prépare. Je suis en train de préparer à manger. Normalement, c'est notre dernière soirée en navigation. À moins qu'on arrive un peu tard demain. On est fatigué. On a bien dormi pourtant pendant une grande partie de la traversée. Moi, je trouve que les 4 dernières nuits ont été compliquées. Et ben aujourd'hui, merci. Merci infiniment pour tous vos commentaires de bienveillance et de gentillesse. Merci, merci, merci. Je ne vous dirai jamais assez. Je prends beaucoup de plaisir à y répondre. Je prends beaucoup de plaisir à lire tout ce que vous nous écrivez. Parce que y a beaucoup de sincérité. C'est de la sincérité, comme ce que nous on vous partage. Et rien que pour vous tous, on a envie de continuer à partager. On a envie de partager cette expérience et cette aventure pour vous montrer toutes les belles choses qu'il y a sur cette planète. J'avais envie de vous parler ce soir. Alors voilà, je vous parle. Nous sommes surexcités les bananes. N'arrête pas d'en dire. 84. Blatty est une poignée d'heures avant de nous avoir emmenés, nous avoir apporté, nous avoir protégé jusqu'au Marquise. Et alors, il est excité aussi, Blatty, hein, parce qu'il nous fait des pointes à 12 nœuds là. Il y va. Hein. Et il n'y a pas quelqu'un qui est excité. Là, j'ai un couille, là, je vais te dire qu'elle va passer la casserole. On va pas leur dire si on fait du MM ou pas. Hein. Ouais, bah, mais c'est les Choupi Sifredi, moi. Bah, rien ne m'arrête. Fatou Iva est là et nous sommes là. Et regardez. Regardez. Quand on dézoome. Tout le cirque Black Lion. Nous sommes partis du continent Amérique centrale. Ça, c'est la trace de mon Blacky. Ça, c'est un bon bateau. Ça, c'est un bon bateau. Ça, c'est une bonne femme. Ça, c'est une bonne femme. Ça, c'est un bon mari. Et Kevin, ça, c'est un bon citronnier. Bon, mon pauvre Kevin, il va falloir faire quelque chose dès qu'on arrive. Il faut qu'on appelle le service de réanimation des citronniers. Dernier lever de soleil pour Blacky de la Transpacifique. Ce qui se passe pendant toute la nuit qu'on ne voit pas. À seulement 160 km en gros, il y a des îles, on ne les voit pas. Oh, une première frégate. Salut toi. Voilà, c'est un oiseau qu'on n'a pas en Océanique. Ça aussi, à l'époque les marins devaient se dire la terre n'est pas loin quand ils voyaient cet oiseau là. Donc la mer est encore formée, on a bien surfé cette nuit. Et on a navigué avec trois riz. Il y aura notre dernier lever de soleil du Pacifique, de la Transpac. À partir de maintenant, Blatty, il a 12 heures exactement pour arriver avant la nuit. Combien de milles il reste? 84. 84, ça va être dur. Hein. 12 heures. J'ai 3 riz. Hein. Mes paupières deviennent lourdes. Très lourdes. Ça a été long les bananes. Ouais. Mais c'est tout le temps ma femme. Et comme disait Jaco, c'est beau mais c'est loin. Ça, c'est sûr. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. Je vais le dire maintenant parce que plusieurs fois je voulais vous en parler. J'ai un équipier hors pair à bord. Et Jaco, il croit que c'est elle. J'ai parlé du pilote automatique. Attends qu'on arrive avant de... J'ai parlé du pilote automatique. Mais c'est ça. Merci. Je savais que...
Attends, j'ai préparé mon discours. Non, c'est le pilote automatique. Si vous avez compté sur la jacouille pour barrer, elle est formidable pour plein de choses. Mais il y en a un qui est exceptionnel, c'est que ça fait 34-35 jours, j'en parle là parce que je pourrais barrer les 80 derniers milles. Mais je me disais, si venait à lâcher, et on n'est pas dans la merde. Et si moi je lâchais, t'étais pas dans la merde? Ah bah, vive Tinder. T'aurais pas à manger pendant 33 jours? Bah oui, c'est ça. Je suis le seul mec qui continue à grossir pendant les traverses. Voilà, je fais 80 kilos quand je m'en vais, quand j'arrive, je fais 100 kilos. Mais c'est super important parce que ça nous fait garder le moral et de cuisiner. Et en plus, elle adore ça. Elle adore faire la vaisselle, donc pourquoi je la ferai? Alors, tout à l'heure, on fait un tour du bateau, on vous parle des casses, de ce qui a été bien, de ce qui n'a pas été bien, la consommation énergétique. On vous fait un petit bilan de tout ce qu'on a eu sur Black Lion pour faire cette belle transpacifique. Donc je remercie énormément ma petite femme, bien sûr. Je me remercie de supporter ses humeurs. Avec la langue. Il n'y a pas longtemps, elle m'a fait une crise hystérique. Oui, c'est vrai. D'hystérie. Alors c'est pour ça que maintenant, vous êtes bienvenue dans le monde de Obélix et Mysterimus. Elle a pété un câble il y a 2-3 jours. On vous en reparlera dans un texte. Allez mon Blackie, il te reste 80 000, un peu plus 80 000. Et tout à l'heure, on fait un tour du bateau. Je mettrai un short parce que moi, ouais, c'est la première fois que je fais ça en 15 ans. Je suis resté à poil quasiment toute la traversée. Ça va l'été comme ça. Je crois que je vais me prendre une carte d'adhérent au Cap d'Agde. Ça sert de pelon, c'est pour savoir d'où vient le vent. Moi, j'avais peur qu'il se prenne dans le winch, hein. Ça doit faire mal. C'était drôle. L'océan est blanc là. Ouais. On termine sur les chapeaux roux, c'est souvent comme ça, on l'a remarqué. Hein. Alors attention, attention à l'effet Venturi quand on va arriver au sud de Fatouiba parce qu'il souffle 25 nœuds constamment. On risque de se prendre des sacrés rafales, donc on va faire très très attention. On va pas baisser les voiles avant d'arriver. Ouais, peut-être. Ouais, parce que c'est pas la peine de casser un truc en avant. Non. Hein. Ah, trois riz, une jacouille, un phoque, un choupi et On arrive bientôt! L'océan est tellement brouillon, il bouillonne en fait, qu'on soit, on reçoit des gouttes comme s'il pleuvait. Quoi? Regardez! Là, regarde ça! Yee-ha! Hop là! Vous sentez? Là, c'est là! Vous sentez? Ouh-hou. Eh ben, mon Blackie, il assure. C'est dommage qu'on n'arrive pas à vous faire sentir la sensation que ça fait. Vous savez quand ça fait des guizous sur les pieds là? Et vous voyez, une mer comme elle est aujourd'hui, on serait à un endroit, on dirait tiens, on va à tel endroit dans la journée. Je dirais, bah, ah bah non, dire oh là là, non, on va se faire secouer. Là, on n'a pas le choix. On va pas dire bah non, on arrête, on partira plus tard. On est dedans. Et ce qu'il y a de fou, c'est que sur plus d'un mois de traversée, et ben c'est les 2-3 derniers jours les plus sportifs. C'est net plaisir. Notre récompense. Ça, c'est le pied marin, les gars. Paille en queue. Bonjour, paille en queue. Il y a un frégate qui attaille le paille en queue, là. Ça se verra pas sur la GoPro, là. Regarde, le paille en queue, il pêche et l'autre, il attend derrière, il l'a attaqué. C'était saloperie, les frégates. Hein. L'autre jour, je vous disais que quand on sait pas, il faut fermer sa gueule. Mais là, je pense que je sais. Donc, je vais ouvrir. Quand vous êtes au large comme ça en Océanie, vous pouvez voir surtout des fous. Eux ils partent assez loin, puis les petits oiseaux là, avec le, qui va du dessus là. Ouais, eux ils vont aussi assez loin. Mais là depuis tout à l'heure, on est à moins de 60 000 des Marquises. Ben, on a vu un paille en queue, on a vu des frégates. J'ai vu un oiseau, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ce n'est pas des oiseaux océaniques. Et donc dans le temps, ça devait être un soulagement, parce que les marins ils le savaient auparavant. Quand ils devaient voir ces oiseaux, ils devaient se dire, waouh, on ne l'a pas en vue. Là pour l'instant on l'a pas en vue, mais il devait se dire waouh, ils savaient qu'ils avaient la terre n'est pas loin. Alors nous on a le GPS, on sait que la terre n'est pas loin, mais les oiseaux c'est vraiment un signe. Si un jour vous n'avez plus de GPS, que vous voyez plein d'oiseaux d'espèces différentes, c'est sûr qu'il y a un récif, une île, un banc de sable ou quelque chose. Maintenant ça on sait. Voilà, j'ai fini d'ouvrir ma gueule et je peux la fermer. Envers Poséidon, la dette à payer pour vivre le paradis, parce que ça c'est le paradis en plus, c'est Marquis. Vous allez voir, vous allez vous faire découvrir un endroit magique, c'est pas comme certains endroits ultra touristiques quand ils arrivent comme ça avec leur bateau. Je vais donner l'exemple par exemple de Sainte-Lucie. Welcome to the paradise, ouais. $30. Ah, je savais pas que le paradis était payant. Vous allez voir les Marquises, on vous en dit pas plus. Regardez plutôt. Terre, capitaine, terre. Après 33 jours, 34.
On l'a traîné, on a les premières silhouettes de Fatouivin juste en face de Bati, je peux pas vous le filmer, ça se verra pas. Mais nous, avec nos yeux hagards, nos yeux de lynx, nos yeux de faucon et de fauconne, nous voyons Fatouivin. La récompense est là. On est trop contents. Vous pouvez préparer le petit verre de thé. 40 000 de l'arrivée, 35 000 des terres. Il faut qu'on contourne Fatouivin. On commençait à avoir des nuages. Le ciel est bleu, azur aujourd'hui. Et... Ah merde, fait chier. Anna. Avec Pirate.com, on avait mis 20... Bon, on avait mis 28 jours avec Pirate.com. On a mis 6 jours de plus avec Black Lion. Alors que Black Lion est normalement beaucoup plus rapide que Pirate.com. Le porte, il avait des handicaps. Voilà, les hélices repliables, on a mis deux hélices fixes, ça, c'est comme deux seaux d'eau, ça, on attend l'école zéro pour faire le Pacifique et on a perdu énormément. Quand on est sous foque, on a deux nœuds de plus, nous on le sait, avec le col zéro sur Blacky et le foque, et voilà, il faut qu'il y ait ce vent là, 25 nœuds pour avancer. Malheureusement, on va arriver de nuit, donc vous aurez les couleurs demain matin au réveil, et ça n'a pas été facile avec El Niño, les courants, les vagues de travers. En premier, le bateau, deuxième, la jacouille. Allez. Il est toujours. Ouh, ouh, ouh. Oh là là. Allez, un temps, s'il te plaît, mon bébé. Tâche sur le radar. Est-ce un grain? Non. C'est Fatouivin. Avant, dans le temps, les marins qui partaient ne savaient pas ce qu'il y avait. Ils étaient là pendant des jours et des jours en mer, et puis d'un seul coup, ils voient. Ils commençaient à voir les oiseaux. Ils commençaient à voir les oiseaux, exactement. Amazing, oh my goodness. Déjà nous on est super heureux de voir la Terre. Et le GPS vous avait dit qu'il y avait la Terre quand même. C'est extraordinaire. Oh my goodness. À toi. C'est oh my goodness. Ouais. Ouh, c'est gros celui-là. Je vais remonter ma canne. C'est sportif la canne. Oh, c'est muscle. Regarde, regarde la canne, la canne. Ah, la canne, la canne. Vache. La vache. Oh, c'est muscle, c'est muscle. Saint-Marlin. Saint-Marlin, attention. Je vais chercher un couteau, vite. Ouh là là, Saint-Marlin, les bananes. Ouh, ouh, ouh. Ouh, 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 ouh. Tiens, bébé. Tiens, mon chat. Non, mais il faudrait la... Mais je l'ai pas, elle est devant la gaffe. Ouh, la récompense, les bananes. Il est beau. Il est beau, on va se régaler. On a fait nos courses pour un mois, voilà, ça nous coûte zéro. On est tranquille, hein, pour un bout de temps, là. On est salé. On fait le poisson, on est salé, on est dégueulasse. On s'en fout, on arrive. Là, Fatouivin, je sais pas si vous voyez sur la GoPro. Les oiseaux, il y a des oiseaux partout. C'est génial. Tu plus la transpiration, toi. J'ai plus le poisson là. Ah la vache. Ah mais non, c'est toi, c'est ton caleçon, tu pues du cul. Hein. Non, c'est pas qui. Ah, tu pues du cul. Hein. Enfin, oh, non, t'arrêtes. Hein. À ma femme, à mon Blachy, si vous avez une scène de ménage. Au soleil, à Fatouivin. À moi, puisque personne ne dit merci. Ça sera une arrivée de nuit, une fois de plus. 2 heures avant le coucher de soleil. C'est souvent comme ça, malheureusement. Ça souffle 25 nœuds, il y a les vents catabatiques qui souffrent de la montagne à cheval. Et demain matin, vous vous réveillerez avec une vue sur le paradis. Et croyez-moi, j'en ai vu des endroits avec la jacouille, c'est un paradis, vous verrez. La silhouette de la Terre après un mois en mer. On est trop content de vous le faire partager. Nous sommes trop heureux d'arriver. Deuxième transpac, première fois avec Pirate, deuxième fois avec Black Lion. On est heureux. C'est trop beau de voir ça. Ah, je vous laisse. Bon, un pic classique sur Black Lion. Le moteur bâbord ne s'allume pas. Il a redémarré. On a coupé sur les batteries servitude. On a mis la génératrice et il a démarré au bout de 15-20 minutes. Là, ce sont les lumières d'Omoa qui sont juste là. Il y a des rafales de vent catabatiques. On s'y attendait. Ça, c'est les deux derniers citrons. Deux derniers citrons de Panama, on va se les faire. Une arrivée de merde, les bananes.
Ouais, carrément. Et moteur qui démarre pas. Puis 5 millions d'arrivée, j'y viens, on commence à descendre. La chaîne. La chaîne, on ne sait jamais. Ben, la chaîne, elle ne voulait pas descendre, c'était coincé. Et après, on arrive ici. Ça fait 3 fois qu'on essaie de remettre l'ancre. Trop près du bateau, trop près de la falaise. Vous allez voir demain la surprise, c'est magnifique. Et là, je pense qu'on est dans du caillou. Donc, on va pas dormir comme. Ben, on va rester dormir là ce soir. Hein. Avec la lampe de mouillage. Salut tout le monde. Salut nos bananes. On voulait tous vous remercier d'avoir suivi cette transpacifique. Et de l'avoir vécu avec nous. Alors, peut-être que ça a été long sur YouTube, mais pour nous ça a été long en bateau. Plus donc, c'est long, plus c'est bon. On voulait remercier tous nos Patreons qui nous ont suivis dans cette donc, nouvelle aventure. Vous, les abonnés YouTubeurs, ainsi que tous nos partenaires. On a une super bonne nouvelle. Sur le dernier épisode de la Transpacifique, on vous disait que s'il y a quelque chose à refaire, ça serait bien d'avoir un deuxième pilote. Ton vœu a été exaucé. Le dieu de l'accastillage nous a entendus en pleine mer. Nous sommes contactés par une société, on vous en a déjà parlé, avant que nous devenions partenaires, parce que nous sommes donc partenaires avec SVB depuis peu. J'avais commandé un tensiomètre pour le réglage au banc, plus d'autres trucs, et je vous ai dit, cette société est quand même vraiment très très bien. Ils sont très professionnels, très ils envoient dans le monde entier. Quasiment presque partout dans le monde entier. Ils nous contactent en pleine mer, nous avons Starlink, on reçoit un mail. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on devienne partenaire? De quoi auriez-vous besoin? Bah, nous on se dit, on y va quoi. On se dit, bah, un pilote automatique, banco, c'est parti, prochainement. Nous allons donc installer ensemble un deuxième pilote automatique sur Black Lion. Depuis que Black Lion est né, il y a ce pilote-là, donc j'ai pris exactement le même, qui fonctionne encore. Tiens, nouvelle génération. Il a un truc qu'il rêvait d'avoir, c'est la télécommande. Comme ça que je pourrais boire en haut mon petit thé avec la télécommande. Merci encore à tous nos partenaires, merci à SVB. SVB, je vous invite déjà à aller voir sur leur site. C'est une société familiale qui emploie plus de 100 personnes, 18 000 mètres carrés de stockage de matériel. Ils envoient à peu près 2500 colis. 30 000 articles en stock. Nous allons recevoir ici au Marquise notre pilote automatique. Bien. Ça c'est top ça. On est vraiment content. Prochainement, ça sera comment installer un nouveau pilote à bord de Black Lion. Et au moins comme ça, on sera sûr de ne pas faire demi-tour avec le jacuzzi. On vous met en description, en commentaire ou quelque part par là, un petit icône qui va vous dire là, ici, là, par là. On vous met le lien en description et ainsi de télécharger le catalogue PDF en ligne. On vous embrasse très fortement. Gros bisous, gros bisous. Et puis l'aventure continue. L'aventure continue, au comme Marquise vous le savez. Et en Polynésie avec vous tous. Ciao. On vous aime.